All right, bye, The oh. International Residual Mechanism for Criminal Tribunals is now in session. Please. The Lyons to Mechanism International, uh, SSA, uh, functions residual the tribunal panel at eight please be seated before starting today's proceedings may I ask uh, to resolve euh um, le président je suppose que avant euh, avant de commencer la procédure aujourd'hui, puis-je demander à toutes les personnes présentes si elles vont présenter leurs arguments euh, Je ne souhaite pas euh, qu que les, les personnes en question euh, lisent rapidement. Cela est, est très difficile pour les interprètes. Vous avez suffisamment de, de, de temps. Je sais que c'est une lourde charge. Veuillez tenir compte des interprètes qui ont vraiment eu des difficultés hier. Donc essayons d'éviter cela aujourd'hui. Veuillez euh, donc. Euh, Ouvrir les débats, s'il vous plaît, Monsieur le greffier, et citer l'affaire. Le greffier d'audience, merci. Bonjour, euh, M Madame, Monsieur euh, M parties, plaît, Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur, Madame, M. les juges. Il s'agit de l'affaire MTPI 1355A, le procureur contre Radovan Karadzic. La présentation des parties, s'il vous plaît, Madame Gustafsson. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, M. les juges. L'accusation, Katrina Gustafsson et Laurel Begg, Barbara Goy, Ayn you. Merci, euh, le Président. Et du côté de la Défense, s'il vous plaît, M. Peter Robinson. Bonjour, monsieur les juges. Peter Robinson, madame Gibson et Goran Petroniovic, représentant les intérêts de monsieur Karadzic. Le président, madame Gibson, pardonnez-moi, je ne vous ai pas cité hier. Monsieur, madame Gibson, pas de problème, monsieur le président. Donc, avant de commencer et avant de me tourner vers monsieur Karadzic, je vais poser euh, deux questions à chacun, à chacune des parties. Je vais commencer par la défense. Hier, l'accusation a avancé qu'en raison du rôle joué par le conseiller juridique de M. Karadzic, effectivement un rôle très important, la Chambre de première instance n'avait pas de responsabilité particulière pour s'assurer que ses droits soient protégés. Autrement dit, euh, le droit qui lui incombe d'assurer sa propre défense. qui a été présenté par l'appelant et l'accusé un peu plus tôt. Est-ce que vous êtes d'accord avec euh, l'accusation C'est la question euh, que je pose à la défense. Maintenant, je me tourne vers l'accusation. Vous vous souvenez de ma question hier concernant le fait de savoir si la Chambre de première instance euh, s'est fondée sur un nombre très important de faits jugés euh, pour euh, prononcer une déclaration de culpabilité. Des déclarations de culpabilité. Madame Gibson a déclaré qu'il y avait 36 déclarations de, de culpabilité concernant les faits répertoriés dans les annexes qui ne se sont fondés en tout partie que sur des éléments de preuve non vérifiés. Je, je me suis rendu compte du fait que dans votre argument hier, vous avez abordé certains aspects et vous avez dit que ces décisions n'ont pas été faites. Euh, sur la seule base des éléments de preuve non vérifiés. Mais je souhaite avoir une réponse euh, pleine et entière de l'accusation au, au, au point soulevé par Maître Gibson hier. La défense et l'accusation, vous, euh, vous pouvez ajouter vos réponses à ces questions lorsque vous avez la parole. Nous allons maintenant nous tourner vers M. Karadzic. Pour qu'il puisse faire valoir sa réplique, et ce jusqu'à 11 heures. Monsieur Karadzic, merci. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur les juges. Le Président. Maître Gibson, Maître Gibson. Bonjour, Monsieur le Président. Messieurs les juges. Euh, Madame Gibson, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, je vais commencer la présentation de mes arguments répliques euh, par rapport à la réponse de l'accusation d'appel sur la question du, du procès équitable. Euh, et ensuite, euh, Maître Robinson euh, abordera la question de Srebrenica. Et ensuite, le Président Karadzic abordera les questions liées à Sarajevo et aux municipalités. Je souhaite, je souhaite commencer par la question que vous avez soulevée ce matin, à savoir les arguments euh, de l'accusation à savoir que la chambre la chambre d'appel n'avait aucune responsabilité particulière eu égard au fait de s'assurer de l'équité du procès de, du président Karadžić parce que euh, il était assisté d'un conseiller juridique je ne suis pas d'accord pour dire que l'on puisse entendre cela car la chambre de première instance a l'obligation d'assurer un procès équitable je ne pense pas qu'il puisse y avoir euh, une quelconque circonstance atténuante concernant ou portant sur la qualité du conseiller juridique ou du type de l'aide juridique fournie. Lorsqu'un. Euh un accusé décide d'assurer sa défense euh, comme il est en droit de le faire. Différentes procédures sont mises en place et ont été mises en place dans les différents procès. Il incombe à la chambre de première instance de s'assurer que le procès est équitable, même si l'accusé a choisi d'assurer sa, sa propre défense. Dans l'affaire Milosevic par exemple, c'était un amicus curiae euh, qui a assisté M. Milosevic. Dans l'affaire Stankovic, par exemple, un conseil spécial a interrogé des témoins particulièrement vulnérables en lieu et place de l'accusé. En ce qui nous concerne, dans cette affaire, la Chambre de première instance a rendu une décision qui a été confirmée en appel, indiquant que le président Karadzic sera assisté d'un conseiller juridique. Ce, cela ne signifie pas que la Chambre de rappel ne doit pas pour autant assurer euh, l'équité du procès et qu'il s'agit d'une circonstance atténuante. Comme je l'ai compris hier, la question a été posée et portée sur le privilège d'un parlementaire. L'accusation avance en appel que l'accusation n'a qu'une autorité et ne peut décider de cette question car le président Karadzic n'a pas clairement exprimé quelle était la teneur de ce point euh, pendant, la, pendant le procès. Nous faisons valoir en appel et dans notre mémoire en appel, nous avons dit simplement que la Chambre d'appel dispose des pouvoirs discrétionnaires et peut aborder les questions qui n'ont pas été soulevées lors du procès. Et par le passé, la Chambre d'appel euh, a fait usage de ce droit, en particulier lorsque un accusé assure sa propre défense. Je ne suis pas en train de dire que euh, le président Karadzic n'a pas été correctement assisté pendant son, son procès, mais la Chambre d'appel a dit auparavant... Euh, qu'elle qu aborderait cette question-là. Et une des raisons pour lesquelles nous le ferons, c'est que l'accusé, justement, a assuré sa propre défense. Et nos arguments ne sont allés que jusque-là. Le président, je vous remercie. Euh, Maître Gibson, je souhaite maintenant aborder la question d'un accusé qui assure sa propre défense. L'accusé a fait valoir hier que le président Karadzic, et je cite, la seule raison la seule raisonnement qui était le sien pour témoigner sous forme narrative était de gagner du temps Page 172, ligne 7 à 8, compte rendu du Danse. Ceci n'est pas exact, car le président Karadzic a établi un lien entre le fait d'assurer sa propre défense et de présenter un témoignage sous forme narrative. Dans les documents du 18 décembre 2003, cités en référence dans la note de bas de page de notre mémoire en appel, il a expliqué qu'il souhaitait témoigner sous forme narrative et il a cité un, un arrêt de. Euh, d'une décision rendue par la Cour d'appel des, 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 des États-Unis et, et a affirmé qu'un accusé qui assurait sa propre défense pouvait témoigner sous forme narrative. Son conseiller juridique, ensuite, a établi le même lien euh, avec la Chambre de première instance le 20 février 2014 lorsqu'il a dit vous avez la. la vous, vous m'avez imposé un conseil pour que je puisse euh, témoigner. Je renvoie ici euh, au compte-rendu d'audience euh, 45 935 cité à la page 7 de notre mémoire en bel appel. Vous avez dit que le, paradis, le seul raisonnement euh, avancé par Karadjic pour témoigner sous cette forme-là était de gagner du temps. Ceci n'est pas exact. L'accusation a tort également de critiser, critiquer le président Karadjic sur la base suivante. Il n'a jamais même répond, répondu aux arguments écrits de l'accusation à cette Égard sur ce point. Il s'agit de la page 171, ligne 17 à 18 du compte rendu d'ailleurs. Le président Karadzic avait 14 jours pour répondre aux arguments de l'accusation. La, la, la décision orale de la Chambre de première instance a été rendue six jours après le dépôt des écritures de l'accusation. Vous devez vous souvenir que sous, tout, de, tout ceci s'est passé à la fin du procès. Et après avoir présenté des éléments de preuve pendant cinq jours, la Chambre avait appuyé sur l'accélérateur et on ne peut pas faire reprocher au président Karadžić le fait qu'il n'est euh, pas répondu à temps. L'accusation n'a pas eu raison hier, n'avait pas raison hier et je cite, euh, elle a affirmé euh, que. La défense ce matin a à tort affirmé que nous n'avons fait aucune référence au fait que Karadzic assure sa propre défense dans notre procès. Page 171, ligne 25. Et page 72, ligne 1. Ceci n'est pas exact. Nous faisons valoir, et je répète littéralement, à aucun moment dans cette écriture, l'accusation n'a-t-elle reconnu qu'en imposant un conseil au président Koradjic dans le seul but de son témoignage, qu'il serait en train d'entraver un droit fondamental de l'accusé, la, de un droit essentiel. Bien sûr que l'accusation a parlé de la question euh, du fait que Koradjic assure sa propre défense. Tout le monde pouvait répondre à cette question. La défense avait soulevé cette question, l'accusation y avait répondu. Et ce que nous faisons valoir, c'est qu'il manquait quelque chose au débat et quelque chose qui n'a jamais été fait. C'est justement de trouver un, un équilibre entre le fait d'entraver ce droit essentiel tel que présenté par la Chambre d'appel dans l'affaire Milosevic. Et je parle ici de l'affaire Milosevic et de la décision sur l'appel interlocutoire qui a été rendu et la décision de la Chambre d'appel sur la commission d'un conseil pour la défense le 1er novembre 2004, au paragraphe 17 à 19. Je vais maintenant parler de la question de la communication des pièces. L'accusation a fait valoir hier euh, que euh, euh, c'était en fait un cas d'école sur l'auteur qui euh, fait porter la responsabilité à la victime. Euh, et cela ne fait pas l'ombre d'un doute que euh, M. Karadžić a été inondé par euh, une communication de pièces pendant le procès qui aurait dû euh, avoir lieu avant euh, le procès. Il était incroyable de penser que l'accusation euh, puisse dire qu'il ne s'agit pas d'un demi-million de, euh, de pages qui ont été communiquées plus tardivement malgré l'article 68 et que c'était en retard. Il s'agit d'un quart de million de pages de communication qui étaient en retard. Et même si le président Karadžić avait quatre mois pour analyser toutes ces pièces communiquées tardivement cela représente quelques 2000 pages qu'il devait lire et analyser par jour mais cela, ce n'est même pas la question ici. Le président Karadzic aurait dû disposer de ces pièces avant même le début du procès. L'accusé est en droit de préparer sa défense en se fondant sur euh, l'ensemble euh, de, des éléments de preuve présentés par l'accusation, des éléments incriminants, des éléments qui l'exonèrent, des éléments à charge et à décharge. L'accusation a simplement indiqué qu'elle recherchait euh, les. Éléments à décharge lorsqu'un témoin venait témoigner. Et, mais ceci n'est pas défendable. Dès l'affaire la, Ferunji en 1998, on a reconnu qu'un accusé peut subir un projudice euh, si, au niveau de sa stratégie euh, de procès, il ne dispose pas des éléments euh, qui devraient être communiqués par l'accusation dans la phase pr préalable au procès. La décision Ferungi se trouve à la note de page 72 de la de mémoire en réplique. De Karadzic au paragraphe 19. Mon, ma consoeur a eu tort d'affirmer que la défense a fait valoir hier, et je cite que la chambre de première instance s'est simplement reposée sur ses lauriers et n'a rien fait. Euh, page 103, ligne 23 à 24. Euh, nous n'avons jamais laissé entendre cela. Nous avons simplement indiqué quels étaient les recours possibles, mais nous avons dit que ces recours étaient insuffisants car ceux-ci n'avaient aucune incidence sur la thèse de l'accusation et n'ont rien fait pour repousser encore moins, mettre un terme à la non-obligation, à, 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 de ne pas, et encore de mettre un terme à ces violations de l'obligation de communication. Euh, euh, comme vendredi dernier, le 20 avril 2018, lorsque l'accusation a communiqué encore euh, un, une déposition de témoin qui, est, qui est datait de 2003 et qui a 9 ans de retard. Je vais maintenant aborder la question des faits jugés. La réponse de l'accusation sur ce moyen d'appel n'a euh, en aucun cas. Euh, compris la position de la défense en, en appel. Autrement dit, le nombre de faits euh, jugés rendait euh, ce procès inéquitable. L'accusation répète simplement le fait que la jurisprudence du président que les faits jugés sont conformes au droit de l'accusé. Nous sommes d'accord pour dire que c'est ce qu effectivement ce qui correspond à la jurisprudence. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui pour essayer de la modifier. Car si nous ne pouvons pas la modifier, nous pourrions en tout cas montrer que certains certains régimes qui sont conformes au droit de l'accusé peuvent également être mis en œuvre d'une manière qui ne l'est pas et qui est manifestement injuste. L'argument arg, de l'accusation n'a absolument pas abordé le point essentiel du moyen numéro 7. Alors pour ce qui est de la déposition de M. Karadzic, encore une fois, l'accusation a mal présenté les arguments de M. Karadzic en disant que la défense avait fait valoir que l'accusation aurait pu mettre un, un, é, ériger un, 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 un mur de Chine. Page 180, ligne 14 à 15 du compte-rendu d'hier. Nous n'avons jamais dit cela nous n'avons aucune idée nous ne savons pas si l'accusation peut effectivement ériger un mur de chine nous avons simplement dit que dans l'affaire stanisic euh, c'était possible et maintenant si l'accusation nous dit qu'elle ne peut pas le faire à ce moment-là elle devrait se réorganiser pour que cela soit possible et nous sommes d'accord avec l'accusation pour dire et je cite car les droits de karadzic à présenter sa défense ne signifient pas qu'il a un droit euh, euh, qu'il a le droit de recueillir euh, euh, tous les éléments de preuve possibles. Page 183, ligne 5 à 7. Mais il ne s'agissait pas d'un éventuel élément de preuve pertinent. Il s'agit d'un droit pendant 20 ans. Euh, euh, l'accusation a décrit ces événements et le président Karadjic et le général Mladic ont été présentés comme travaillant main dans la main les mots prononcés par Mladic les notes de son carnet et même des éléments de preuve euh, de par oui dire et même des gestes de la main ont été considérés comme étant importants ayant une valeur suffisamment probable permettant de conclure euh, de, de, de prononcer des conclusions contraires contre le président Karadzic, euh, même si le jugement n'avait rien sur lequel se fonder. Il ne s'agit pas en fait d'un élément de preuve éventuellement pertinent. Ceci est un cas euh, séminal et, et était disponible et n'aurait jamais dû être exclu du dossier. Euh, par le bureau du procureur. Alors, maintenant, pour la question du privilège parlementaire, l'accusation euh, n'a fourni aucune raison qui permettrait euh, d'expliquer de, cela. Hier, la Chambre d'appel n'a pas le droit d'en décider. Nous avons dit dans, notre, dans nos mémoires, nous faisons valoir que la Chambre d'appel est en mesure de le faire et devrait le faire. Mais l'accusation ne vous a donné qu'une image tronquée euh, du des arguments présentés par le conseiller juridique de Karadzic euh, sur ce point. Hier, ma consoeur a parlé du compte rendu d'audience euh, 43 084 à 4 43095. Elle a raison de dire que la Chambre d'appel a demandé au président Karadzic euh, et à son conseiller juridique d'alors si la défense faisait valoir un privilège par rapport à certaines déclarations qui avaient été faites devant le Parlement, et ce qui ne permettrait pas à la Chambre de première instance de les inclure en l'espèce. Et, et il est exact de dire qu'il a dit non, non, pas du tout. Et l'accusation fait valoir qu'il s'agit d'une décision étroite. Qui ne portait que sur les déclarations faites par Krasnik et lorsque celui-ci aurait pu être euh, interrogé euh, sur cette question. Mais nous invitons la chambre d'appel à poursuivre sa lecture. Et M. Robinson poursuit en disant que tant que, autrement dit, M. Krasnik, tant qu'il ne qu n'est pas interrogé sur ce point, et je ne pense pas que dans ce contexte il y a violation euh, de ce privilège. De ce privilège euh, si on le fait valoir contre M. Karadzic, mais s'il s'agit du procès de M. Karadzic, il s'agit d'une situation différente dans ce cas. Dans ce procès, euh, not, euh, bah, euh, euh, page 43 095, a jamais, la défense n'a jamais dit qu'un qu privilège parlementaire en en empêcherait euh, le versement au dossier d'une déclaration présentée devant l'Assemblée euh, dans, dans le procès de, de, de l'accusé en question. En fait, ce qu'il a dit, c'était le contraire. Mais ceci n'était pas clair. On ne sait pas s'il s'agit d'une décision prise uniquement dans l'affaire Krashnik ou pas. Regardons ce qu'a dit la Chambre de première instance, 43150. Lorsque les immunités et privilèges peuvent protéger des déclarations faites devant l'Assemblée dans des juridictions nationales, ceci ne s'applique pas aux procédures devant un tribunal international. Donc, au vu de ce texte, la Chambre de première instance déclare qu'il s'agit effectivement d'un privilège parlementaire, mais ceci ne s'applique pas dans les tribunaux internationaux quelque chose qui est euh, large et euh, caractère général. Et même si la Chambre, la Chambre d'appel conclut que, la Chambre, que Karadzic n'a pas abordé cette question en appel et, et ne les a pas correctement abordées lors du procès, il les présente actuellement en appel. La Chambre d'appel dispose des pouvoirs discré discrétionnaires lui permettant de prendre une décision à cet égard. Pour ce qui est du moyen d'appel numéro 31, la condamnation d'un accusé ne peut pas être fondée sur de sur seuls éléments de preuve non vérifiés. La Chambre de première instance a condamné euh, le président Karadzic pour 15 faits répertoriés dans les annexes de façon décisive sur des éléments euh, de preuve qui ont été versés en vertu de l'article 92 bis. Six faits euh, répertoriés dans les annexes en se fondant euh, sur des faits jugés uniquement, la condamnée d'autres 15 faits euh, dans les annexes euh, uniquement euh, et de façon décisive en, en associant l'article 92 bis et les faits jugés citation dans notre mémoire en appel au paragraphe 554, 555 et 556. Hier, l'accusation a déclaré que. Chaque fait répertorié dans les annexes établies par l'article 92 bis ont été corroborés par d'autres éléments de preuve. Et ils ont cité une table au paragraphe 119 de sa réponse, de son mémoire en réponse, où elle, elle semble énumérer tous ces éléments de preuve qui corroborent tous les éléments de preuve recueillis en vertu de l'article 92 bis. Mais ce euh, tableau passe à côté euh, des, des choses importantes. D'abord, les éléments de preuve corroborés, cités, ne correspondent qu'à des schémas de comportement dans certaines municipalités et ne permettent pas de décider si oui ou non un fait répertorié euh, individuel s'est produit ou qu en, quel en était l'auteur. Ici, il n'y a que lien avec l'accusé. C'est la raison pour laquelle cela n'est pas énuméré dans le jugement comme étant un, un, un élément cor, corroborant euh, les faits. En 2000. Euh, L'accusation indique euh, qu'il s'agit d'éléments qui corroborent euh, les faits, mais ne parle pas de cette erreur importante commise parce que la Chambre de première instance euh, n'a est, euh, pas estimé que c'était le cas. Quoi qu'il en soit, ce tableau ne permet pas d'établir que la Chambre d'appel ne s'est euh, pas fondée sur des éléments non vérifiés pour. Euh, 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 condamner l'accusé de manière décisive. Alors, si vous regardez l'exemple de l'accusation hier, l'accusation a cité le fait répertorié A14-2, où effectivement la chambre de première instance s'est reposée sur la déposition de Farid Spajic et, et de son témoignage recueilli en vertu de l'article 92 bis qui n'avait pas été euh, vérifié. Mais effectivement, il y a d'autres éléments de preuve qui permettaient de corroborer euh, le euh, témoignage de Farid Spajic. Les conclusions. Euh, euh, sur le fait 14.2 se trouve au paragraphe 108 000, 1080 à 1093 du jugement. Dans ces paragraphes, les, conclu les conclusions renvoient à 55 notes de pas de page qui renvoient aux éléments de preuve. Sur ces 55, 55 renvoient. À à la déposition de Spahić en vertu de l'article 92 bis, ces quatre notes de bas de page évoquent les deux à la fois euh, les, les éléments, le témoignage de Spahić euh, et, et des éléments de preuve non vérifiés et euh, et d'autres éléments de preuve indiqués par euh, l'accusation hier. Donc la chambre de première instance a condamné le président Karadzic sur euh, le fait euh, 14.2 en se fiant de manière décisive sur cette déclaration. Pour cette condamnation, ainsi que les 36 autres condamnations qui figurent au moyen numéro euh, euh, 41, ils, euh, 31, c'était effectivement le cas. Je vais maintenant aborder euh, le moyen numéro 29 euh, et l'incidence euh, de la décision rendue par la Cour suprême du Royaume-Uni et euh, Jogi. Au Nous sommes d'accord avec euh, l'accusation. On peut dire que la Chambre d'appel a confirmé la formulation euh, de la Chambre d'appel euh, s'agissant de l'entreprise criminelle euh, commune euh, et euh, sous, sa, euh, sous sa troisième forme il y a quelques mois dans l'appel Perlitch. Dans aucun des cas, la Chambre d'appel n'a-t-elle. Euh, réanalyser cet aspect particulier de la doctrine en l'espèce. Euh, et euh, s'agissant de l'affaire Johi. Et c'est ce que nous demandons à la Chambre d'appel de faire. Avec votre permission, Monsieur le Président, je vais passer la parole à notre Conseil principal pour qu'il pour qu poursuive les arguments. Monsieur Robertson. M. Robertson, c'est à vous. Robinson, tout d'abord, je dois m'excuser auprès des interprètes et de la synoptépiste hier. Je crois que c'est moi qui ai, qui ai parlé le plus rapidement hier. J'ai un petit signe. Le Président, vous, étiez, vous, étiez, vous étiez un parmi, parmi d'autres. Alors j'ai un petit, je me suis fait un petit pense-bête ici et je dois me rappeler, il y a beaucoup d'adrénaline en fait euh, que je sens en moi, donc il va falloir que je fasse attention. Alors euh, je vais tenter euh, de démonter euh, euh, les arguments, l'accusation la, la, concernant Srebrenica. Premièrement, l'accusation indiquait que c'était fondé sur de fausses prémices et que Karadžić, la conversation interceptée karadic, Karadžić était euh, utilisé essentiellement pour euh, marquer l'heure. Page du compte-rendu d'audience euh, 203. Ce n'est pas ainsi que nous lisons le jugement et nous ne sommes pas les seuls à ne pas le lire ainsi. Euh, des euh, semaines après le rendu du jugement, il y a quelque chose qui s'est passé d'incroyable. Il y a eu des accolades dif différentes. Euh, 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 et des organisations non gouvernementales, non -gouvernementales et de personnes euh, qui étaient euh, heureuses de voir quel jugement avait été rendu. Mais il y a quelques euh, universitaires euh, qui ont écrit des articles indiquant que euh, le, pr le président Karadjic avait été condamné euh, sur des preuves extrêmement minces. Kai Ambos de Göttingen en Allemagne et le professeur Melano Sterio de Cleveland Marshall de l'école de droit aux États-Unis et le professeur, professeur Milena Austerio. Ils ont critiqué le jugement parce qu'ils ont estimé euh, que cette interprétation, euh, bah, leur interprétation est différente parce qu'elle portait sur euh, une conversation interceptée. Euh, Cryptiques auxquelles ils renvoient dans leur mémoire au paragraphe 733, 34 et 771. Étant donné qu'il était si difficile de, de prouver le mens rea euh, dans le cas de Karadzic, la Chambre a dû simplement admettre qu'elle allait appliquer un, un, un critère plus souple s'agissant euh, de prouver le mens rea du président Karadzic. 272 dans le International Law Review. L'accusation dit que le les louanges du président Karadzic pour ceux qui ont mené l'opération de Srebrenica indiquaient qu'il était au courant des exécutions. Page 204 du compte-rendu de l'audience. Ceci n'a aucun sens. Le président Karadzic a a licencié euh, Mladic 15 jours après Srebrenica. Au, au début du mois d'août, lors de la séance de l'Assemblée, il a dû justifier le fait qu'il avait renvoyé le, le général Mladic. Il savait que le général Mladic avait dirigé l'exécution de plus de 500 prisonniers. Il avait des raisons plus que valables pour le licencier et même de convaincre le général Mladic de, de démissionner. Milan c'était sa dé, déposition page 405-10. Mais le président Karadzic n'a pas agi ainsi parce qu'il n'avait aucune connaissance des exécutions. Ce qui était incroyable, c'est que le président Karadzic a essayé euh, de, de s'arroger le crédit pour cette opération de Srebrenica. Lors d'une inter interview télévisée le 4 août, il a dit que le général Karadzic avait planifié l'opération de Srebrenica devant lui. Et lors d'un discours devant l'Assemblée le 15 octobre, le président Karadzic a dit que lui personnellement avait supervisé le plan euh, de Srebrenica. Le président Karadzic n'est pas bête. Ses efforts visant à, euh, à euh, s'arroger euh, le bénéfice de cette opération de Srebrenica est inexplicable s'il avait connaissance des exécutions. Troisièmement, l'accusation euh, déclare que le président Karadzic a reçu des informations écrites provenant du terrain pendant l'opération de Srebrenica. Page du transcript 205. Oui, c'est bien ce qui s'est passé. Il a reçu des rapports quotidiens de l'état-major principal de l'armée, des rapports réguliers des services de sécurité militaire conduits par le général Tolimir et des rapports réguliers du ministère de l'Intérieur. L'accusation possède ces rapports. Il n'y a pas une seule mention, pas même une allusion qui a été faite au fait que des prisonniers auraient été exécutés dans ces rapports. Si le président Karadzic... Euh, avait été informé de cela ou s'il avait ordonné ses exécutions, il n'y avait aucune raison pour qu'il garde cette information pour lui. Uh, suite au rapport qu'il recevait. Quatrièmement, l'accusation déclare que le président Karadzic a reçu un rapport du commandant de la police, Rakomir Vasic, qui se trouvait sur le terrain concernant l'opération de Srebrenica, page 208 du compte-rendu. Oui, il l'a fait. L'accusation possède ce rapport. Elle n'a pas fait mention ou même fait allusion à ses exécutions. Il n'y est pas fait mention, correction de l'interprète, ou même pas une allusion. À ses exécutions. Cinquièmement, l'accusation déclare que Karadzic a reçu un rapport verbal provenant d'un commandant sur le terrain concernant la progression de la colonne d'hommes qui quittait Srebrenica, page 207 du compte-rendu. Il a probablement été informé de cela, mais il n'y a pas un, euh, un euh, milligramme d'éléments de preuve qui euh, fasse ne serait-ce qu'allusion au fait que des prisonniers auraient été ou devaient être exécutés. Sixièmement, l'accusation déclare que Karadzic a reçu des informations verbales au sujet des exécutions euh, dans un appel téléphonique du général Mladic le 13 juillet, page 206-207 du compte-rendu. Il y avait trois Américains présents pendant cet appel, dont l'un écoutait sur une autre ligne. Les trois hommes ont déclaré dans leur déposition qu'il n'a pas été abordé dans cette discussion le, la question des prisonniers et que l'idée que des prisonniers seraient exécutés était simplement incompatible avec le sujet de la discussion. Euh, page 26.080 080 à 26-082, page 27 -406, pièce du compte-rendu, pièce D-29-05, paragraphe 32-34. Septièmement, l'accusation déclare que le président Karadzic avait été informé au sujet des exécutions par le vice-ministre de l'Intérieur, Tomislav Kovacs, qu'il a rencontré les 13 et 14 juillet, page 207 du compte-rendu. Mais Kovacs a déclaré dans sa déposition qu'il n'avait jamais informé le Président Karadzic de quelque exécution que ce soit parce qu'il n'en était pas informé. Pièce D-3960, paragraphe 124-129 ainsi que page 42-792 du compte-rendu. Huitièmement, l'accusation déclare que le Président Karadzic avait été informé au sujet des exécutions par Zvonko Bajagic, membre de la VRS avec lequel il a eu une rencontre dans la soirée du 14 juillet. Page 208 du compte-rendu. Mais Bajagic a déclaré dans sa déposition qu'il n'avait jamais informé le Président Karadzic de Quelques exécutions que ce soit. Pièce D3853, paragraphe 36D. Neuvièmement, l'accusation déclare que le président Karadzic était informé au sujet des exécutions par Milenko Karishik, directeur de la sécurité nationale, qu'il a rencontré le 16 juillet, page 208 du compte rendu. Mais Karishik, Karishik a attesté qu'il n'avait euh, qu pas eu connaissance de quelques exécution que ce soit. Il n'avait jamais informé Karadzic. À ce sujet. Pièce D 3749, paragraphe 63. Dixièmement, l'accusation déclare que le président Karadzic a, parlé des a, a été informé des exécutions par Deronic le 14 juillet et a, a dû en inform et devait en être informé, correction de l'interprète, lorsqu'il a rencontré des dirigeants de la municipalité de Srebrenica un peu plus tard dans la journée. Page 208 du compte-rendu. Mais rien dans les éléments de preuve provenant de Deronic ou dans, dans ce qui a été dit lors de cette réunion, ne démontre ceci. En fait, trois jours plus tard, le 17 juillet, Devonich a envoyé un fax au président Karadzic, une déclaration signée par Franken et Manjic, selon laquelle l'évacuation, entre guillemets, s'était déroulé sans encombre, conformément euh, au respect dû aux conventions de Genève et aux droits internationaux humanitaires PSP 4185. Et le chef de la délégation qui a assisté à la rencontre de suivi, Dane Katanic, ainsi que le président de l'Assemblée, Momchilo qui a également participé à la rencontre, ont témoigné tous les deux qu'il n'y avait pas eu euh, le moindre accroc pendant cette réunion longue. Euh, Ou la moindre le moindre mot au sujet du fait que des prisonniers de Srebrenica auraient été exécutés. Pièce D 3561, paragraphe 8, pour Katanic. page 43352 du compte-rendu pour Kraïchnik. L'accusation nous dit aujourd'hui que Kraïchnik euh, est un président euh, auquel Behara a fait référence. Euh, Kraïchnik a été choqué. Il euh, a été poursuivi en justice pendant des années devant ce tribunal et n'a jamais. Euh, été condamné de quelques incidents relatifs à Srebrenica. Personne ne lui a même déclaré pendant le procès qu'il aurait ordonné la nécessité de se débarrasser des prisonniers de Srebrenica. C'est donc de, une spéculation sans fondement et une insulte à, à cette institution de voir jusqu'où l'accusation est prête à aller pour euh, défendre des faits qui ne s'appuient que, que sur... Euh, des spéculations. Onzièmement, l'accusation déclare que le président Karadzic a promu le général Kristić le 13 juillet, page 209 du compte-rendu. Oui, il l'a fait. Aucun élément de preuve euh, montre qu'il n'avait connaissance des meurtres. Qui, euh, de toute façon, n'avait pas encore commencé. Le général qui a apporté les documents de Kirstich au président Karadzic pour qu'il les signe le 13 juillet, Petar Skobic, a témoigné qu'il n'avait pas été discuté de la question de l'exécution des prisonniers. En fait, nous avons essayé d'entendre de, tous ceux qui auraient pu avoir le moindre contact avec le président Karadzic pendant ces journées des 13 au 17 juillet et de les faire témoigner. Au nombre de ces personnes se trouvait euh, le personnel immédiat. Qui, qui étaient au service du président Karadzic, comme par exemple son conseiller à la sécurité nationale, Gordon Milenić, son conseiller militaire, le général Bogdan Subotic, son conseiller politique, John Zametitsa, John et le secrétaire général de son cabinet, Mile Dimicic. Au nombre de ces personnes qui euh, étaient connues comme euh, ayant un rapport étroit avec euh, le travail du président Karadzic, et l'ayant rencontré, euh, dans les journées du 14 au 19 juillet. Se trouvaient également le président de l'Assemblée, Momchilo Krajicnik, le directeur de la sécurité d'État, Dragan kiach, le ministre de la Défense, Milan Ninkovic, le secrétaire d'État du ministère de la Défense, Dragan Kapanitina, le Vladimir Matovic, un assistant auprès de l'ancien président de la Yougoslavie, le journaliste américain Robert Djurjevic, le professeur américain Serja Trevkovic, l'homme d'affaires canadien, Milan Lesic et le journaliste français Yves Bataille. Tous ces hommes ont témoigné que le président Karadzic n'avait donné aucune Permettant de penser qu'il était au courant que des prisonniers seraient, étaient en train de, ou avaient été exécutés. Même. Euh euh, si le président Karadzic avait eu des contacts avec euh, des personnes comme Deronic qui étaient au courant des exécutions, euh, vous n'êtes pas euh, en droit de partir du principe qu'il euh, avait été informé de ces meurtres. Dans l'affaire Kostitch, la Chambre d'appel est revenue sur une conclusion reposant sur une déduction selon laquelle, euh, en raison du fait qu'une personne avait été... sur une déduction reposant sur le fait qu'une personne aurait été en contact avec quelqu'un qui connaissait l'existence de ces exécutions et euh, a déclaré que cette, et, et que cette personne aurait dû partager ses connaissances avec son interlocuteur la chambre d'appel a estimé que les connaissances qu'avait le général krstic du plan euh, consistant à exécuter les prisonniers euh, en raison de ses contacts de l'époque avec le général mladic pouvaient être pris en compte. la chambre d'appel est revenue sur cette conclusion en déclarant que, en dépit du, de l'affirmation de la Chambre de première instance selon laquelle si le général Mladic était au courant des meurtres, le général Krstic doit en avoir été informé également, la Chambre de première instance n'a pas établi effectivement sur la base des contacts de Krstic avec le général Mladic pendant la période pertinente que Radislav Krstic était effectivement au courant de l'intention d'exécuter les bosno musulmans Ensuite, suite à ces contacts. L'affirmation de la Chambre de première instance ne reposait pas sur des éléments de preuve Convaincant. Fin de citation. Le président, excusez-nous un instant, je vous prie. Euh, please proceed, I'm sorry, but... Le président, veuillez poursuivre toutes mes excuses. Maître Robison, pas de problème, je ne vous ferai pas payer ces quelques instants. Euh, le président, il se trouve que je présidais... Euh, le procès Kostitch et je ne suis pas tout à fait d'accord, euh, je crains de devoir le dire, avec votre façon de présenter ce qui s'y est passé. Mais nous y reviendrons peut-être, Maître Robinson. Je citais le paragraphe 98, euh, si cela peut vous aider. Douzième point de mon exposé. L'accusation déclare que la déclaration de guerre du président Karadzic... Euh, prévoyait les excavations et s'appliquait à toute la région sous le contrôle du corps de l'Adrina, y compris Svornik, page 209 à 210 du compte rendu. Ceci est euh, une déclaration fausse. Euh, cette déclaration de guerre ne disait rien des excavations et elle s'appliquait uniquement à Srebrenica, aux municipalités de Srebrenica et de euh, Skelani. La référence qui a été faite aux forces du corps de la Drina euh, n'était présente qu'en raison du fait que ces municipalités se trouvaient dans cette zone de responsabilité. Ce libellé euh, ne permettait pas d'étendre la déclaration de guerre à la municipalité de Svornik, Voyez par vous-même dans la pièce P4553. Treizièmement, l'accusation déclare que la déclaration de guerre est mise après la rencontre qu'a eu Karadzic avec Deronic le 14 juillet. Euh, avait permis que ce dernier soit informé des exécutions, page 214 du compte-rendu d'audience. Ceci est également une erreur. Les communications, euh, le, le, le registre du Centre des Transmissions de la République montre que les déclarations ont été émises et diffusées à 11h15 du matin, pièce 2803 ligne 340, et que Deronich rencontre le président Karadzic. Euh, à partir de 12h40, selon le calendrier du président Karadzic, et pas une minute avant. PSP 2242, page 91. Quatorzième point. L'accusation déclare que Karadzic a menti à David Frost le 17 juillet lorsqu'il a, lorsqu a été interrogé au sujet des 15 000 hommes qui manquaient dans la population de Srebrenica, page 211 du compte-rendu. En fait, euh, L'entretien le, du président karadzic le 17 juillet avec David Frost confirme qu'il n'avait pas connaissance du fait que des prisonniers avaient été exécutés. Lorsque Frost, Frost l'interroge au sujet, je cite, des 15 000 hommes qui manquent à Srebrenica, euh, fin de citation, le président karadzic répond qu'il faisait partie d'une vaste colonne et que nombre de, des membres de cette colonne devaient atteindre le territoire musulman aujourd'hui ou même demain. Et qu'il serait bientôt comptabilisé. Euh, pièce P5235, page 2 à 3. S'il avait été au courant que des prisonniers avaient été exécutés, il aurait été folie de sa part et euh, contreproductif d'affirmer que les personnes dont il savait qu'elles étaient décédées, dont il aurait su qu'elles étaient décédées, euh, feraient leur apparition le lendemain ou le surlendemain. Quinzième point, l'accusation déclare que le personnel de la fort-prenue locale a été épargné afin d'éviter un examen plus attentif de la part de la communauté internationale, page 211 du compte rendu. Ceci est ridicule. Ce personnel local se trouvait à Potocari, avait assisté à la séparation des hommes et il est possible qu'il ait, qu ait assisté à des exécutions euh, aux abords de la Maison-Blanche. Si le président Karadzic connaissait les exécutions et le plan. Concernant l'exécution de tous ces hommes, il n'avait aucune raison de libérer ces membres du personnel. Seizième point, l'accusation déclare que le président Karadzic était au courant des euh, enterrements secondaire, page 211 du compte-rendu, aucun élément de preuve n'existe pour le prouver. Si l'accusation avait eu la possibilité euh, de, de découvrir une autorisation signée par le général Mladic en vue de réquisition de carburant utilisé pour ces euh, euh, enterrements secondaires, elle euh, n'a jamais découvert euh, un seul morceau de papier, un seul morceau d'élément de preuve. Indiquant de quelque façon que ce soit que Karadzic était au courant du fait que des tombes avaient été creusées ou que des tombes secondaires avaient été creusées. Et rien de cela n'a été cité où que ce soit. 17e. Point. L'accusation déclare que, puisque les prisonniers ont fini leur course à Zvornik, la référence de Karadzic à un autre endroit dans sa conversation avec Deronich doit avoir porté sur Zvornik. Page 212 et 213 du compte-rendu. Cette lecture de l'histoire est une lecture à rebours. Je vous ai donné l'exemple hier d'une allégation selon laquelle le président et le procureur Brametz ont discuté sur le fond de l'affaire Chechel dans l'entrée du tribunal Chechel. A fini par obtenir une euh, annulation de son acquittement et a été euh, déclaré coupable. Euh, qu Est-ce est -ce que ceci rend l'allégation euh, selon laquelle le président et le procureur avaient discuté du, de la question sur le fond plus vraie que par le passé 18e point, l'accusation. Évoque les euh, conversations interceptées en déclarant qu'elles corrobore la déposition de Nikolic, mais comment est-ce qu'il était possible de savoir que Deronich avait, avait parlé à Karadzic plus tôt dans la journée Page 216 du compte-rendu. Réponse. La réponse, c'est que Nikolic a obtenu cette conversation interceptée lors des communications de pièces longtemps avant de conclure son accord de plaidoyer et décider de ce qu'il allait dire à l'accusation. Nikolic est arrivé au tribunal le 2 avril 2002 en tant qu'accusé et a, a conclu son accord de plaidoyer plus d'un an plus tard, en mai 2003. 19e point, l'accusation déclare que la Chambre a exercé la plus extrême attention dans l'évaluation par elle des éléments de preuve relatifs à Nikolic, page 215 du compte-rendu. Mais on ne peut, on ne peut, trouv on ne peut trouver nul par le moindre point euh, où, euh, euh, qui me prouverait qu'elle qu ne s'est pas appuyée pleinement sur la déposition Nikolic. Le témoignage euh, au sujet de, euh, du geste de la main de Mladic a été considéré comme pertinent. Euh, euh, la correction de l'interprète a été rejetée par la Chambre même euh, s'il correspondait à la réalité. La Chambre a estimé que Nikolic avait informé le colonel Blagojevich des meurtres, fait que euh, la Chambre de première instance chargée du procès Blagojevich a rejeté. L'accusation est incapable de démontrer euh, qu'il aurait existé une autre affaire dans laquelle euh, toute la jurisprudence pénale internationale euh, aurait permis de, de, de prononcer une déclaration de culpabilité sur un témoignage non corroboré suite à un accord de plaidoyer d'un participant à ces mêmes crimes. Euh, L'affaire engagée contre le président Karadzic est tout à fait unique de ce point de vue. Vingtième euh, argument, l'accusation euh, déclare euh, qu'il a été fait des références à des jugements émis par d'autres chambres de première instance comme les jugements Mladic, Blagoevic, Kirstic, comme n'étant pas applicables en l'espèce. Page 217 du compte-rendu. C'est une position assez étonnante de la part de l'accusation qui invite instamment notre Chambre de première instance à dresser le constat judiciaire de plus de 3000 faits déjà jugés provenant d'autres jugements en raison du fait que ces conclusions seraient fiables. Ces jugements sont instructifs. Il vous appartient de décider s'ils seraient raisonnables pour une Chambre de première instance. Euh, de les utiliser comme jauge pour mesurer ce qui est raisonnable en provenance d'autres chambres de première instance dans des circonstances similaires. D'autres chambres euh, ont souvent été cri critiquées ou, ou euh, euh, leurs conclusions ont été annulées euh, en raison de l'insuffisance du témoignage de Momion Nikolic. Les efforts de l'accusation pour euh, euh, revêtir euh, la déclaration de culpabilité du président Karadzic comme euh, étant davantage qu un, qu un, euh, que la suite d'un témoignage non corroboré de Momio Nikolic ne sont qu'écran de fumée. La déclaration de, cul de culpabilité est entachée de risques et il faudrait euh, la euh, renverser. Le président Maître Robinson, vous avez fait de vaillants efforts pour présenter vos arguments comme vous l'avez fait. Euh, il était difficile de les structurer de cette euh, très bonne façon. Euh, vous laissez entendre que euh, la conspiration du silence a été le fait de tous les principaux responsables concernés dans le but de dissimuler un certain nombre de choses au président Karadzic en dépit euh, de, euh, du contrôle qu'il exerçait sur les responsables, etc. etc. Vous laissez entendre qu'en fait, ce sont le général... Euh, c'est le général Tolémir et nous connaissons le jugement qui a été prononcé à son encontre, qui a participé à cette conspiration du silence. Si je puis me permettre de la qualifier par ces termes, euh, est-ce que les principaux responsables n'avaient pas intérêt à créer euh, un dossier d'éléments de preuve incriminants au sujet de ce qui a été dit, dit oralement ou écrit Est-ce qu'il n'y avait pas différents moyens par lesquels les principaux responsables pouvaient communiquer avec M. Karadžić au sujet de ce qui était prévu et de ce qui devait se passer par la suite. Euh, votre proposition est difficile à admettre, Maître Robinson. Je comprends votre point de vue, Monsieur le Président. Il est difficile de croire que le président Karadzic n'avait pas été informé par qui que ce soit de ces exécutions. Mais en fait, il y a un contexte à toute cette situation, euh, à savoir qu'en avril, qu avril 1993, lorsque les militaires... Euh, ont essayé de prendre Srebrenica et que le général Morillon a essayé d'en faire une zone de sécurité, c'est le président Karadzic qui a mis un terme à cela. Euh, il n'était pas content de lui et euh, dans notre dossier, il y a des éléments qui traitent de ce point. Le rapport entre le président Karadzic et ses dirigeants militaires comme Nadic, Tolimir et d'autres n'était pas bon. Et ce, euh, depuis... Et cela devait être la situation en particulier en 1995. En fait, des éléments de preuve montrent que le président Karadžić a limogé Tolimir et Beara bien avant les événements de Srebrenica. Donc, euh, si dans un dans une structure militaire normale et avec un commandant en chef, on on pense que chacun travaille toujours main dans la main, eh bien, ce pas ce n'était pas le cas en l'espèce. Euh, voilà cette proposition que nous avançons et qui est logique si l'on examine les faits relatifs à l'espèce. Je vous remercie, le président. Le juge s'écoulait une question. Le juge s'écoulait. Merci, Monsieur le président. Euh, je voudrais comprendre, Maître Robinson, euh, tout comme euh, l'accusation. Je voudrais que euh, vous demandez de m'aider à mieux comprendre. Est-ce qu'il y a contestation au sujet euh, de l'allégation selon laquelle euh, des exécutions ont eu lieu entre le 13 juillet et le 17 juillet, en particulier dans la zone de Svornik. Est-ce que le nombre de personnes concernées qui est cité comme ayant été exécutées ou tuées dans le secteur existe ou pas Est-ce que quelqu'un peut m'aider sur ce point J'aimerais connaître le nombre exact. J'aimerais connaître la position des parties par rapport à ce seul aspect dans la période que je viens de définir. Quel est le nombre d'exécutions qui est censé avoir lieu dans cette période de temps précise Cela m'aiderait à mieux comprendre. Maître Robinson, je vous remercie, monsieur le juge. C'est coulé. Euh, je crois pouvoir vous répondre que ce nombre était de 5000 personnes. Nous le contestons. Euh, pendant ce procès, nous l'avons contesté en première instance. Nous, nous le contestons encore. Ici, mais ce n'est pas notre argument central euh, pour euh, l'audience d'appel. L'accusation pourrait souhaiter ajouter quelques mots. Le juge s'est L'accusation a quelque chose à dire, euh, Madame Beg. Euh, en fait, et en regardant de très près ce chiffre, il a été déterminé comme étant de 5115 cadavres. Le juge s'est je vous remercie. Le président, donc en fait, euh, la réponse faite par la défense et l'accusation. Euh, c'est qu'il n'existe pas de contestation sur ce point, en tout cas sur le euh, chiffre, le nombre dont il est question. N'est-ce pas Le juge s'est coulé. C'est ce, do ce dont je voulais euh, me convaincre. Euh, le président, c'est exact, n'est-ce pas, maître Robinson Oui. Euh, en tout cas, dans le cadre du présent appel, nous disons que c'est exact. Le juge Méron, je vous remercie, maître Robinson. Monsieur Karadzic. Monsieur Kadjic, bonjour à tous. Si vous me permettez d'ajouter quelques mots à ce qui vient d'être dit, je dirais que je m'étonne et me pose des questions au sujet des conditions qui auraient pu permettre qu'un tel fait soit dissimulé pendant si longtemps, car il s'agit d'un incident tout à fait capital. L'un des auteurs a révélé ici dans cette même salle d'audience pour quelle raison ceci a eu lieu. Dragen Erdemovic, un Croate qui était engagé dans notre armée, avait été chargé de participer à cette action euh, sous les ordres d'un colonel qui, en mai déjà, avait été limogé de l'armée. S'il s'agit bien de cette personne, eh bien c'est moi qui l'ai limogé. Mais en raison des suspicions euh, et euh, d'aspects idéologiques qui ont été évoqués, ce n'est pas n'importe quelle unité qui a commis cet acte. Cet acte a été fait de façon ad hoc par des groupes euh, précisément euh, constitués à un niveau bien déterminé. J'ai interrogé Erdemovic en lui demandant euh, s'il était possible que je n'ai pas été informé et pourquoi. Euh, je lui ai demandé à qui il avait parlé de cela et il m'a dit qu'il n'avait parlé qu'à deux de ses collègues euh, qui euh, n'en avaient pas parlé à Pelémich, euh, l'un des commandants euh, du détachement en question. Comment cela a-t-il été possible? Pourquoi? Il y avait la peur qui régnait, la honte, la confusion et lorsque j'ai ordonné le 1er avril 1996 au procureur militaire de mener une enquête. Tout ce qu'il a répondu, c'est j'ai enquêté, personne n'est au courant de quoi que ce soit ou ne souhaite euh, savoir. Ce document existe dans le dossier de l'espèce. Voilà ce que j'avais dit au sujet de Srebrenica. Euh, je suis à la disposition de Maître Robinson. Je ne souhaite pas m'engager plus loin dans mes compléments d'information. j'aimerais commenter ce qui a été dit par l'accusation hier. Euh, je, re, je remercie les euh, juristes représentants de l'accusation pour avoir euh, renforcé euh, de façon répétée le schéma euh, de travail de l'accusation à l'espèce. l'accusation a toujours euh, tout fait à l'envers elle s'est fondée sur des présomptions et voulait nous forcer à courber les et à baisser la tête. Mais si l'accusation s'est défendue comme elle l'a fait hier en se fondant sur la décision de la chambre de première instance, eh bien le jugement prononcé à mon encontre mérite tout de même d'être commenté par quelques mots. Il a été dit que J'aurais expliqué euh, de façon euh, contraire à toute honnêteté à mes collaborateurs, à mes interlocuteurs des Nations Unies, euh, que nos responsables de l'artillerie manquaient d'expérience. Mais il existe un rapport du commandant de l'artillerie du corps de Sarajevo-Romania qui. Euh, indique à peu près la même chose que ce que j'ai dit. Il est vrai, alors que j'ai été, euh, que ce, cette déclaration m'a été imputée comme m'a été reprochée, eh bien, il est vrai que dans le document dont je parle, euh, au début, il est écrit, nous n'avions pas d'experts, nous manquions de personnel formé pour... Euh, Gérer de telles armes. Donc, des erreurs et, euh, ont été commises et des erreurs de tir, et nous avons euh, gaspillé du carburant et des munitions. Fin de citation. Un grand nombre de civils sur le marché de Marcalais le 5 février ont été victimes alors que le marché était vide, qu'il n'y avait plus rien sur les étals. Est-ce qu'il y avait encore 500 personnes dans ce marché à ce moment-là? Comment cela aurait-il été possible? Pourquoi aurait-il resté dans un marché vide? Ça, c'est un point tout à fait étonnant. Il est étonnant également que parmi les euh, présumées victimes, euh, ce jour-là, il n'y ait pas eu un seul vendeur ou une seule vendeuse. Il aurait dû y en avoir, euh, puisque deux ou trois personnes au moins s'occupent de chaque étal lorsque des produits sont en vente sur le marché. Or, pas un seul vendeur, pas une seule vendeuse euh, n'a euh, été cité au nombre des victimes, au nombre des personnes tuées. Euh, parlons maintenant de Zetchevich, qui est un responsable musulman, membre de l'armée et. Qui aurait pu euh, déterminer la direction et l'angle de chute euh, de l'obus, auquel cas personne n'aurait plus eu besoin de vérifier les conditions et les mesures à l'intérieur du tunnel ou euh, l'exactitude ou pas de l'angle de chute. Il a été déclaré que 30 à 40 000 obus. Aurait été tiré à partir d'une position d'artillerie tenue par un serbe. Obus euh, tiré sur la ville, euh, à partir de positions situées donc aux environs de Sarajevo. Or, il y avait aux environs de Sarajevo des positions de tir qui étaient tenues aussi bien par des musulmans que par des serbes. Euh, combien d'obus. Ont été tirés respectivement à partir des positions tenues par les uns et les autres. Euh, C'est à déterminer, mais en tout cas, avec un tel nombre d'obus, la situation devait être pire encore. Qu'à Dresde, euh, les équipes passaient d'une colline à l'autre, des deux côtés, creusaient des tranchées, établissaient des lignes de tir ou même étaient accompagnées d'infanterie pour attaquer. Il ne s'agit pas de plaisanter sur ces questions. La Chambre de première instance. Euh, ne devait pas euh, être horrifié par un nombre de 30 à 40 000 obus à partir d'une seule position de tir. Selon ce qui a été indiqué, euh, la moyenne tirée était de 3 000 obus. 2 000 obus pendant euh, 104 000 jours. Vous voyez quel est le nombre total il se chiffre en millions d'obus tirés. Sarajevo aurait dû être rasé complètement si la ville avait subi ne serait-ce que 10% de ces tirs. Ces obus se déplaçaient d'une colline à l'autre et les jeunes gens qui s'en occupaient tiraient en permanence. Au sujet de la GCE, de l'ECC, il a été dit que la Bosnie allait vers l'indépendance. et La Bosnie n'avait pas un tel droit, en tout cas pas sans notre consentement, paragraphe 3, 4... L'accusation euh, cite euh, le jugement en disant que euh, le fait euh, enfin, des, des municipalités particulières avaient été désignées et qu'en 1992, il y avait eu euh, un nettoyage. Mais cela est faux. Avant la guerre, dans tous les documents, euh, vous pouvez voir. Que les Serbes constituaient la population majoritaire euh, dans 65% des municipalités. Or, aucune des municipalités présentées par l'accusation hier euh, n'était intégralement sous le contrôle des Serbes. Il euh, s'agissait euh, là de quartiers serbes euh, au sein de ces municipalités. Euh, pour pratiquement chacune d'entre elles, eh bien, avant la guerre, chacune, chacune négociait une transformation. Euh, pour arriver à une communauté de deux ou trois municipalités. Voilà quelle était mon intention et l'intention des dirigeants des Serbes et des Bosnies. Pas de séparer la population, mais d'un point de vue administratif, de euh, euh, créer des centres administratifs différents pour éviter que la tension ne monte encore plus. Euh, donc, euh, lorsque M. Euh, qui est cité dans le jugement, dit euh, nous avons rassembler euh, toutes les municipalités serbes à Foča, eh bien cela doit être à décharge. Foča était la communauté la plus importante en Yougoslavie. Le plan visait à avoir un centre pour la communauté musulmane et un pour la municipalité serbe. Au sein euh, desquels chaque communauté pourrait pleinement exercer ses droits. Les euh, euh, problèmes les plus importants ont lieu à Foča, Ogaticea, Bratuna, Sfornik. Dans les cinq municipalités, eh bien, ces municipalités étaient en train d'être transformées. Or, cela a été stoppé par la SDA. Et euh, lorsque Ralia Subic, euh, une personne pro-européenne, a écrit une lettre à Isebegovic pour euh, se plaindre que c'était sa faute, que tout ce qui s'était passé était sa faute, euh, car euh, s'il avait laissé les Serbes et les musulmans atteindre un accord, et eh bien, cela ne se serait pas produit. Alors, euh, pourquoi euh, les Serbes qui contrôlaient ces territoires auraient été euh, préparés à faire des concessions sur certains de ces territoires si, en parallèle, ils se battaient pour pouvoir prendre le contrôle d'autres territoires Enfin, j'ai déjà dit au moins 100 fois que je ne prends pas la propriété d'autrui. Euh, il y a une lettre de euh, Bola, Bola Tovi, Mamea Botanovic, président du Monténégro, qui communique euh, à Milošević et qui indique euh, que je lui ai dit pourquoi euh, vraiment avez-vous pris Yahitze Il y avait très peu de Serbes là-bas. Euh, bon, il y avait des problèmes d'alimentation en eau et en électricité, mais on arrivait à, on serait, on arrivait à se mettre d'accord avec les Croates. Il n'y avait pas énormément de problèmes. Dans ces municipalités, la réalité de la situation, c'est que ce n'étaient pas les municipalités qui posaient des problèmes, mais les quartiers. Un quart de palais où je me trouvais était une municipalité musulmane pendant la guerre. Nous aurions pu la prendre si nous avions voulu. Focha, bon, ne l'était pas entièrement, mais en tout cas, une bonne partie. Euh, était une euh, municipalité musulmane. Il est encore. Et de plus, il y a eu des objections de procédure indiquant que je n'aurais pas expliqué ce, ce que je voulais faire en examinant tel ou tel témoin et que euh, euh, je euh, n'ai pas. Euh, 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 fait mon interrogatoire correctement mais euh, mesdames et messieurs euh, les juges euh, je n'ai jamais pensé que si euh, euh, la chambre euh, acceptait et criminaliserait mes actions euh, euh, qui étaient prises strictement conformément au droit et à la constitution de Bosnie-Herzégovine enfin je ne pensais pas hein. Tout cela a été écrit noir sur blanc. Il, il, il s'agit de forces organisées qui sont sous le contrôle de l'État. Nous n'avons rien fait qui n'était pas euh, euh, prescrit par euh, l'État et par la loi. Et euh, si jamais il y avait. Euh, 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 des problèmes et eh bien cela pouvait très bien vous tirer à, à des euh, pénalités, à des sanctions. Euh, bon, il y a eu beaucoup de références qui, euh, beaucoup de choses qui ont été dites sur le fait que les éléments ont été communiqués très tardivement euh, et que j'avais l'intention de retarder les choses. Euh, alors oui, j'ai voulu prolonger certaines choses, mais pas au détriment d'une bonne préparation de mon dossier. Il y a eu de nombreuses violations de l'article 68. Je ne saurais assez bien vous expliquer le préjudice qu'a subi la défense. Formel le 19. Alors, j'ai dû me rendre en voiture à Belgrade. Le 20, j'étais à Lisbonne où je me suis rendue en avion et où j'ai dû rester jusqu'au 27. Puis, je suis restée à Belgrade jusqu'à la fin du 30. Enfin, il y a des relevés de mes réunions avec des représentants étrangers, l'ambassadeur américain, le président Milosevic, etc. etc. Son euh, interview, son entretien m'avait été communiqué à temps, or je l'ai reçu une fois que le procès euh, était terminé, or l'interview avait été redonnée, euh, de, transmise aux médias, euh, le procès aurait eu un cours tout, tout autre. Je vais vous donner un exemple. Il y a euh, un avis qui semble flotter par ici, selon lequel à Arkane, aurait dû être euh, jugé même s'il n'y avait pas euh, de euh, euh, plainte officielle à son encontre. Bon, dans notre système, cela n'est pas possible. Si un rapport de la mission euh, de supervision européenne avait été communiqué plus tôt, euh, là où il est dit euh, qu'elle voulait interroger Arcane, mais d'abord voulait parler aux musulmans à qui avaient une expérience directe avec Arkan, alors la chambre aurait procédé différemment. Et les musulmans ont dit que euh, d'abord, il se félicitait d'Arkan parce qu'il avait mis terme au bain de sang et qu'il était gentil avec eux. Arkan comme Mauser était un homme élégant. Mais euh, en fait... Euh, euh, mauser a, a été félicité euh, en fin du compte. karadzic a commandé arcane euh, uniquement en 1995 au moment où je l'ai autorisé à défendre euh, la république Kasperska au sein du ministère de l'intérieur et il l'a fait en toute honnêteté euh, et euh, il l'a fait, fait correctement. hier, j'ai véritablement été surpris euh, d'entendre euh, les nombreux propos Et, et, et de voir le nombre de mots qui ne sont euh, que euh, des, euh, des calomnies euh, et qui ne reposent sur rien. Et qui, qui, euh, euh, Madame Gosavsan, Monsieur le Président, l'appelant reprenant. Et donc, euh, tout cela euh, repose sur une interprétation. Euh, Madame euh, la procureur, est-ce que nous pouvons passer euh, à huis clos partiel Le président, oui, vous avez quelque chose à dire à huis clos partiel Le président, bien d'accord, nous euh, allons demander euh, à passer à huis clos partiel. Monsieur Kardisch, reprenons le président. Attendez euh, que nous soyons à huis, en, 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 en audience publique. Bon, alors nous sommes dans audience publique, le greffier, oui, le président, allez-y, maître Allez y Monsieur Karadic. Monsieur Karaditch, bon, excellence. Dans les documents publics aussi et dans le jugement, ce numéro KDZ est publié et ne révèle rien qui n'aurait été déjà révélé. Mais, quoi qu'il en soit, poursuivons. Il a été dit hier hein, qu'après le 14 juillet, il n'y a pas euh, de mention qui est faite de prisonniers de guerre. Mais où y a-t-il euh, mention de leur, euh, de leur sujet, sauf en décembre 1984, lorsque le camp de Manadja a été démantelé? Euh, c'est euh, quelque chose de euh, parfaitement routinier. Je crois que c'est là que Dernich m'a informé du fait qu'il y en avait 2000 et je crois qu'il exagérait parce que il voulait que je l'aide et que je lui fournisse une assistance en garde. Mais euh, on peut remplacer ces personnes euh, facilement. Enfin euh, euh, il est tout simplement impossible de nourrir autant de personnes. Parler de prisonniers de guerre est une question parfaitement routinière qui s'inscrit dans le droit. Le procureur n'a pas expliqué pourquoi 50 pages de notre mémoire en clôture n'ont jamais été mentionnées dans le jugement. Comme si nous n'avions euh, dit aucun mot à ce sujet. Il n'y a absolument aucun, aucune référence euh, sur ce point. Et tout comme il n'y a aucune référence aux éléments à décharge qui pourtant sont présents, y compris dans euh, les dépositions de témoins hostiles euh, auxquels euh, on a présenté un certain nombre de documents. Et qui, euh, euh, ont dû, euh, et qui ont confirmé et accepté ces éléments à décharge et pour le moins euh, pour un grand nombre de ces dépositions, et eh bien là euh, l'on voit qu'il euh, y a des éléments de doute euh, qui sont présentés euh, des euh, doutes qui justifient euh, que l'on applique le principe de dubio proeo alors euh, euh, le procureur a dit que je n'ai pas cité certains témoins ou que je n'ai pas utilisé leur témoignage à profit. Euh, on ne peut pas faire cela. On ne peut voir ça que dans le jugement. J'ai véritablement été interloquée par le, le jugement. Euh, car euh, il y a des points qui sont au-delà de tout doute, qui n'auraient même pas dû être mentionnés, sans même euh, être évoqués à charge. Concernant les rapports faits par l'armée, euh, j'étais informée régulièrement euh, par la chaîne de commandement, euh, des, euh, par des rapports. Euh, toutes les unités subalternes envoyaient euh, des rapports euh, à leurs supérieurs hein, et euh, donc ces rapports aboutissaient à l'état-major et donc j'étais assez informée de manière à pouvoir communiquer avec euh, l'étranger et de manière à pouvoir. Euh, euh, prévoir l'évolution des choses. Mais si je posais certaines questions, eh bien, c'est parce que j'avais besoin d'informations. Euh, si euh, mes interlocuteurs étrangers euh, me disaient que quelque chose s'était produit euh, quelque part, il euh, fallait bien que je puisse y apporter réponse. Si nous avions attendu euh, les résultats de nos enquêtes, eh bien, dans ce cas, je n'aurais pas été en mesure de répondre sur le champ. Or, l'accusation prend cela comme étant un aveu de culpabilité. Ils disent, il n'a pas nié. Mais comment est-ce que j'aurais pu nier Il fallait d'abord que je vérifie. On a parlé de mon contrôle personnel sur l'accès. Alors, il est vrai que c'est manifeste que je ne pouvais contacter personne de l'armée au moment des événements de Srebrenica. Voilà donc. Le bref résumé que je voulais faire de, de, des commentaires de l'accusation d'hier. Pour ce qui est de Sarajevo, eh bien, il y a des centaines de pièces qui montrent que Sarajevo était un bastion de l'armée musulmane dont l'objectif était de prendre toute la ville pour expulser les Serbes de la ville de Sarajevo. Après cela, la partie serbe de Sarajevo, à la périphérie, est devenue un bastion militaire de l'armée serbe dont l'objectif était de défendre cette partie de Sarajevo et non pas de prendre l'ensemble de la ville et l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine. Les documents des Nations Unies n'ont pas d'ambiguïté en particulier ceux qui ont été rédigés par les plus hauts responsables des Nations unies. Et ces documents confirment mes dires. J'aimerais juste vous donner une référence sur ce point. Alors, il y a un rapport des Nations unies. D366 euh, qui euh, parle de euh, ce que font respectivement l'armée de Bosnie-Herzégovine et l'armée des Serbes de Bosnie et quelles sont leurs intentions. Elise au sujet de l'armée de Bosnie-Herzégovine en anglais. C'est une priorité pour appliquer des pressions pour perturber les lignes de communication et renformer les liens avec Srebrenica et Goradje, Srebrenica et Svornik, en Bosnie orientale et du nord. Et donc, il faut qu'il y ait un certain nombre de euh, gains et euh, euh, pour euh, ne pas, que leur position soit renforcée dans les négociations à venir euh, pour aider l'armée de Bosnie-Herzégovine et euh, pour placer l'armée et les, les, les forces de l'armée de Bosnie-Herzégovine en position de force afin de perturber les hostilités qui leur paraissent vraisemblablement inévitables. Une offensive sur Sarajevo qui est improbable sans soutien croate important. Et en l'absence de ce soutien, eh bien les choses prennent du retard et cela contribue à certaines tensions au sein de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Les forces sont sans doute préparées à lancer une offensive à l'aide de troupes sans soutien croate si elles sont persuadées que leurs positions dans les négociations de paix sont tellement faibles qu'elles doivent provoquer une intervention. Fin de citation. Donc dans le, ce même document, voilà ce qui est dit au sujet de l'armée euh, serbe. Voilà ce dont on est en droit de s'attendre dans euh, le, la région de Sarajevo. Le président, euh, pardon, euh, accordez-moi quelques instants, Monsieur Karadic. Monsieur Karadic, il s'agit du D336. Le président. Merci beaucoup, M. Karadic. Poursuivez. M. Euh, Karadžić. aucune évolution importante euh, ne devrait se produire dans la région de Sarajevo euh, sans euh, qu'il y ait des victimes. À capturer euh, la ville est un objectif euh, inatteignable pour euh, les Serbes. Le euh, BSA restera en position défensive. Et euh, se fiera à sa supériorité en matière de défense pour euh, euh, résister à toute offensive de l'armée de Bosnie-Herzégovine. Fin de citation. Donc, il y a euh, énormément d'éléments qui montrent que les Serbes euh, se plaçaient uniquement sur le plan défensif à Sarajevo, exclusivement de manière défensive. Or, il y avait du côté musulman un total très important de positions et je ne parle pas des échanges de feu quotidiens, mais je parle de préparation sur le plan de l'artillerie et je parle des attaques d'infanterie sur ce qui est de l'intérieur et de la périphérie. Et il y a un document au paragraphe 4644 qui évoque la description faite par la Chambre de première instance qui arrive à la conclusion. De la nature, de la conduite du corps de Sarajevo-Romania et qui parle d'un siège, même si un siège, c'est ce qui se passe pendant une guerre. Or, c'est sur nous que la guerre a été déclarée. Et là, la défense est légitime. Mais cela n'était pas. Les choses décrites ne correspondent pas à la réalité. Voilà ce qui est dit. Le côté musulman a utilisé à son escient, le front de Sarajevo pour euh, bloquer euh, les pourparlers ou les euh, suspendre. Et euh, dans le D1496 euh, du 6 janvier 1993, hein, un document du euh, HCR des Nations Unies note des exemples euh, qui émanent de Human Rights Watch devrait être invité à présenter ses protestations au gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine, qui, pour l'instant, est responsable de la poursuite du siège de Sarajevo. Fin de citation. Si vous. Tenez compte de nos efforts constants, vu de la démilitarisation de Sarajevo afin que Sarajevo soit placée sous l'autorité des Nations Unies, et que les musulmans ont refusé ces propositions, eh bien, il apparaît clairement euh, quelle était la partie. Qui avait besoin de faire souffrir Sarajevo. Il y a de très nombreux documents qui en parlent et qui disent quelles étaient les choses. Le commandant musulman de l'armée, Sefar à l'époque, a, a dit à une réunion Le président, est-ce que vous avez encore besoin de beaucoup de temps Vous avez cinq minutes. Monsieur Karadzic, oui, oui, malheureusement. C'est parce que je n'ai pas. Euh, la capacité de synthétiser les choses rapidement. Mais quoi qu'il en soit, euh, 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 ce sont des minutes d'une de, réunion à la présidence de Bosnie-Herzégovine euh, en juin, euh, avant qu'il ne nous déclarent la guerre. Voilà ce que dit Alizovic à la page 4. Il dit euh, qu'ils avaient déjà repris la colline de Moimilo et, et qu'ils avaient l'intention de libérer, en fait, de capturer euh, euh, Sarajevo et euh, de l'intégrer au sein de Sarajevo. Et donc, euh, euh, voilà ce qu'il dit au sujet des forces à Sarajevo. La région de Sarajevo est constituée des éléments suivants. L'état-major de la défense régionale a deux batteries de 120 mm lanceurs avec un grand nombre de pièces d'artillerie, des batteries, 12 pièces d'artillerie, des howitzers, uh, des obusiers, uh, 105 des euh, trois, trois pièces de 122. Et nous avons aussi euh, un grand nombre d'APC, etc. etc. Donc, euh, donc, un grand nombre de personnel de la défense territoriale et 500 membres euh, d'unités indépendantes et des compagnies, 450 compagnies et euh, des euh, blindés, euh, etc., etc. Donc, Sarajevo avait euh, euh, 275 états-majors et postes de commandement. Nous ne leur avons jamais tiré dessus. Et le, le, lorsqu'on a demandé au général Milošević pourquoi pas, il a indiqué, eh bien, nous ne pouvons que euh, riposter sur les armes qui nous tirent dessus et euh, pour les observateurs qui ne connaissaient pas comment euh, les forces étaient déployées eh bien ils pensaient que c'était euh, des tirs indiscriminés. moi j'aurais beaucoup plus de choses à dire mais en fait euh, la situation c'est que l'on peut euh, retrouver ces éléments dans les documents euh, qui sont en l'espèce et l'on voit des éléments de preuve qui montrent qu'il n'y avait pas de plan criminel qu'il n'y avait pas euh, d'homogénéisation de civils ni de territoires et euh, là, ici, ce qui est le plus instructif, ce sont les documents qui ont été évoqués hier, P12, P92 et P938. Malheureusement, je n'ai pas le temps de vous montrer ces documents maintenant, mais euh, ces documents sont mes discours hein, lors de conférences et, et les choses sont très claires et je vais vous demander de bien vouloir étudier cela de plus près où on voit clairement qu'il y aurait trois Bosnies et je demande discipline, je demande de l'ordre, etc. Et je dis que chaque village aurait la possibilité de décider où il voulait s'intégrer, etc. Alors je voulais aussi voir le paragraphe 4642 du jugement. Donc, l'on peut. Euh, conclure euh, cela du fait que il y a un grand nombre de personnes qui agissent en unissant, à l'unisson. De plus, euh, les choses euh, n'étaient pas for formulées a priori, mais seraient réalisées plus tard. Fin de citation. Et donc, là encore, une autre déduction. Euh, pas une preuve, une déduction euh, qui peut arriver euh, à une, enfin, des éléments que l'on peut euh, déduire euh, à cause d'une pluralité de personnes. Dans les conflits ethniques, ce n'est pas comme cela. Les membres qui sont attaqués, des communautés attaquées, n'ont pas d'autre choix que de se défendre, soit pour se défendre eux-mêmes le plus longtemps possible, ou pour essayer de défaire leurs ennemis ou euh, 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 l'autre possible, sinon ils disparaissent enfin comment est-ce qu'il n'est pas possible de voir que les Serbes à Sarajevo et en Bosnie Herzégovine voulaient la paix ils étaient désespérés, ils ont fait des concessions euh, et euh, euh, finalement euh, ils ont dû s'incliner devant la euh, communauté internationale euh, depuis le premier jour alors qu'il euh, euh, y avait le droit à de la République à Serska depuis le premier jour jusqu'à Dayton et tout ça a été codifié au sein des Nations unies, mais avant, il y a eu euh, un certain nombre de manœuvres de l'autre côté qui nous a infligé des dégâts et qui nous a fait beaucoup de mal. Et avec une intervention internationale, ce qu'ils attendaient, eh bien, les musulmans nous ont causé énormément euh, de souffrances et de victimes. Voilà, merci, M. le Président. Le Président, merci de nous avoir offert la pause. L'accusation, la, pardon, M. le Président, je voudrais avoir des précisions. Dit Madame Beig, je suis prête à répondre à vos questions, bien sûr, à tout moment, mais je voudrais euh, aussi m'assurer que vous euh, me donnerez 30 minutes afin de présenter l'appel de l'accusation. Le président, bien, alors, le sur le plan du principe, euh, euh, nous allons observer vos, vos réponses, euh, euh, bien sûr, euh, mais euh, je vais vous donner quelques minutes supplémentaires. Mais tout d'abord, nous allons faire une pause de 30 minutes.